de la meilleure performeuse des séries, Mario Jacob, l'intention de Ravenois 59. Mais attention, coureur 7, Italien Aligier. C'est elle qui a le meilleur temps et désengagé dans ses championnats de France. Sous
Et c'est parti pour cette finale 800 mètres. Quelle est la présence sur les mètres en cours?
pour Rosalie Galland avec un record personnel. Et la troisième place revient à Solène Letaillard d'Alagata. Et au premier essai, elle va à 1m77. Elle est encore seule dans le concours. Dans le concours hauteur cadette, elle s'élance pour 1m77. Encore deux objectifs pour cette part. Retour sur la piste avec le 800 mètres de Julien Femme. La finale. L'allure relativement rapide pour les jeunes femmes. Le passage au bras en 45 secondes environ. Les intentions sont claires, le titre et les minima. Deuxième position pour l'histoire, c'est toujours la Saranaise, Emeline de la Ville. Chloé Poitvin qui a fait un écart, qui est maintenant celle en tête. Et après, elles sont trois pour deux places sur le podium, 200 mètres de la ligne. Et derrière, et Chloé Poitvin qui est toujours en tête à 150 mètres de la ligne d'arrivée. Et derrière, ça va se jouer à l'emballage final. Qui mène de
pas les passer. C'est vrai, des records. Les championnats, elle sera la championne de France. Jeanne Collineau, de 8,80, sera médaille d'argent dans quelques instants. La médaille de bronze qui va s'afficher en la personne d'Ambre Van Boren. Et c'est parti dans ce 800 mètres de tour de piste pour ces athlètes. À suivre l'athlète du Dijon Université Club, Samy Taleb, et l'athlète des cibles médias de Eden Magmisa. La meilleure performance française de la saison est à 1,50-56. Du 459 33, donc bien la locale toujours devant Eden, devant Samy Taleb. 300 mètres de l'arrivée, toujours bien la locale Samy Taleb. L'attaque de tout le extérieur. Dans le mirage de la... de la longueur, la bonne performance qui vient d'être signée par la violienne Camille Lourou, 6m04, elle accroît sa performance au milieu concours. Et à l'instant 5m89 pour Aïma Goun, petit boulot qui prend la deuxième place pour les morts. Et donc on est parti sur 200 mètres. Avec à suivre dans cette course Yanis Van Lambuut, donc qui a déjà réalisé 1,47,78 cette année.
te fais remuer comme Kester. Vos applaudissements pour ce podium.